L'objectif est d'avoir la salade effectivement toute l'année. Il n'est pas forcément atteint, mais on s'améliore. La salade, c'est un produit essentiel pour chaque vente. Donc j'essaye d'en avoir de la première semaine de l'année où je vends jusqu'à la dernière. Sur le marché, c'est le produit d'appel, quoi, quand même. C'est un produit d'ailleurs qu'on ne vend pas très très cher parce que j'ai toujours considéré que la salade, elle devait être à la portée de tout le monde sur le marché, quoi, hein. Une caisse de salade, c'est quoi? C'est 15 euros à peu près, hein. C'est pas grand-chose, quoi, hein. Mais en même temps, la salade reste un produit super important quand même sur l'étalage, quoi, hein. C'est vrai que même si ça ne représente pas un très gros chiffre, hein, un très, très gros chiffre de vente, c'est un produit qui peut en faire vendre d'autres aussi sur le marché, quoi, parce que les gens viennent pour ça et puis voient l'étalage, le reste de l'étalage en même temps, quoi, tout simplement. La salade, c'est le truc, normalement, systématiquement, on met une salade par panier toute l'année. On est censé avoir de la salade tout l'été, on fait des semis tous les 15 jours. Et en pratique, il y a toujours au moins deux fois dans l'année où il nous manque de la salade. Soit parce qu'on a eu des limaces qui ont bouffé les semis, soit au printemps, là, c'était des rats qui avaient foutu la merde aussi dans la serre à semis. Soit on n'a pas été super vigilant sur l'arrosage et puis qu'on a eu, on a eu de la casse. Il y en a qui sont vraiment spécifiques pour le début de saison, d'autres pour l'automne. Et d'autres plus pour l'été. Je crois qu'en tout, on a plutôt 30, hein. En tout, ouais, sur toute l'année. Je sais pas. Les clients sont contents aussi, mais à la base, c'est pour nous. Ils sont contents et un peu perdus, parce que c'est vrai que des fois, on a une variété qui est super bonne. Là, c'était la saladin qu'on a testée cette année, et tous les gens qui en ont pris une semaine ou deux, ils en revoulaient, et du coup, c'était fini, la saladin, on n'en avait plus. Donc on avait plein d'autres variétés, mais... C'est vrai que sur le stand, ça prend du temps, quoi. Vous voulez une feuille de chêne? Oui, mais laquelle? Alors on a ça, 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 ça... Moi, j'ai toujours quand même la volonté de rechercher des salades, bon, en Batavia, hein, notamment, qui paument, quoi. Bon, chose qui est toujours très compliquée à trouver, parce qu'on a de plus en plus de salades ouvertes, mais de variétés paumées, il y en a pratiquement pas, quoi. Je suis pas sûre d'augmenter la gamme, parce que, par exemple, quand je mets au magasin, si j'ai de la feuille de chêne et de la batavia, c'est la batavia qui part, quoi. Et la feuille de chêne qui me reste sur les bras, particulièrement si elle est rouge. Donc je m'embête plus forcément, tu vois, je préfère avoir une variété... Justement, qui me permet de mieux maîtriser mon itinéraire technique. Après, je dis pas, hein, peut-être que je m'amuserai un peu plus dans les variétés. Mais justement, on vend beaucoup de variétés. On voit, il y a certaines variétés qu'on élimine au fur et à mesure, qu'on fait pas aussi tard parce qu'on sait que ça donnera rien. Et d'autres qu'on garde, genre toujours la Carmen, elle est vraiment bien pour un long laps de temps et elle fait des beaux calibres assez réguliers. Et elle monte moins en graines. Les tuls, les feuilles de chêne, les batavias, etc. Je les fais pousser que sur la saison où elles survivent bien et où elles poussent bien. Mais j'essaye d'avoir de la salade, donc de la jeune pousse, en complément au début de saison, en fin de saison, quand la salade a un peu plus de mal à être belle, bonne et présentable. Ça, c'est un truc, oui, il faut qu'on retravaille, avoir plus bon de feuilles de chêne au printemps parce qu'elle est super belle. Feuilles de chêne printemps, batavia verte, batavia rouge. Enfin, elles passent toutes bien au printemps. Elles passent toutes bien aussi à l'automne. C'est la période d'été vraiment qu'il faut peut-être qu'on réadapte un petit peu mieux nos variétés, quoi. Et puis aussi pour la période automne et printemps sous tunnel, qu'on ait des variétés qui soient un petit peu mieux adaptées, quoi.